Joli ces pansements. On va les rétrécir. Waouh! On a un paquet entier de pansements multicolores. Amy, mets-les dans ton sac, juste au cas où. Un groupe d'amis discutait dans le skatepark. Et voilà Sonic, il est là pour faire du skate. Salut les filles! Oh, c'est un secret, mais je vais te le dire. C'est mon crush! Sonic voulut impressionner les filles en faisant des figures. Mais il n'était pas très doué. Oh! Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est pas ma journée! Sonic, bouge pas, je vais te sauver. Je vais bien, t'inquiète pas. J'ai des pansements. Oh, ma tête! Merci, Amy. Sonic tomba alors amoureux d'elle. Waouh, il y a des anneaux partout. C'est un défi pour Sonic. Le hérisson va en faire quelque chose. Il plia le fil de fer pour former une inscription. Veux-tu m'épouser? Il est temps de souder les lettres maintenant. Ça va forcément lui plaire. Il va bientôt y avoir de l'action dans ce café. Ah, quelle belle journée. Amy était triste et seule dans son coin. Il y a des couples d'amoureux partout. Tu veux quelque chose? Ah non, merci. Chérie, veux-tu m'épouser? Oh oui, je le veux. Oh, comme c'est touchant. Quand est-ce que Sonic va réaliser que je veux l'épouser moi aussi? Waouh, il est sur un cheval. Amy, ce bouquet est pour toi. Oh, c'est lourd. Sonic, ça va? Ouais, t'inquiète. Chérie, veux-tu devenir ma femme? Oh, je t'aime! Bien sûr que je le veux. Casse tes pailles en morceaux. Fends du papier mousse. Notre tapis est presque terminé. Ajoute une poignée. Avec ce tapis de course, on est sûr de rester en forme. Sonic se régalait. Il se détendait sur le canapé avec son seau de Wheels. Puis il s'endormit. C'est bientôt notre mariage. Attends, tu vas avoir besoin de ça. Oh, merci. Oh, c'était trop rapide. J'ai une idée. Je cours toujours plus vite avec des anneaux devant moi. Mon dur labeur a porté ses fruits. Wouah, je suis en pleine forme. C'est grâce à Lalilou et à son tapis de course. Livraison. Forme un oiseau. Ajoute une queue. Des plumes bleues, un bec et des pattes jaunes. Flicky adore tenir compagnie à ses amis. Amy, aujourd'hui c'est ton mariage, tu dois te préparer. Oh, mais j'ai envie de dormir. Prends une tasse de café, ça va te booster. Merci, c'est très utile. Je vais mettre ma robe. Waouh, t'es trop belle! On va faire le nœud et accrocher ton épingle dans les cheveux. Magnifique! Oh, je suis en retard! Attends, ton voile! Je vais te l'apporter tout de suite. C'est parfait. Je suis tellement heureuse. Merci, t'es un vrai ami. Je dois y aller. Amy, ton bouquet! Ne l'oublie pas! C'est l'heure du mariage. Je dois choisir du tissu pour ma robe. Je vais tout prendre. Ajoute un corset en dentelle. Ça promet d'être magnifique. Fais un nœud avec un ruban. Ajoute de longs gants et un voile encore plus long. Une épingle à cheveux et un tour de cou. Tout est prêt pour la célébration. Amy est magnifique. Elle est très pressée. Waouh, qu'est-ce que t'as là? Un fauteuil à souhait. Qui veut décider de son destin? Assieds-toi, Miss. Pense à ton vœu et il se réalisera. Et c'est donc notre nouveau produit, un trampoline volant. Viens y jeter un œil. Waouh, je vais tester. C'est trop marrant, ouais! Oh, je me sens pas très bien. Je dois boire quelque chose. Limonade fraîche. Donne-moi un verre, s'il te plaît. Bien sûr, tiens.
Ah, je me sens mieux, merci. Waouh, t'es très jolie. Félicitations pour ton mariage. Oh, j'avais complètement oublié, je dois filer. Prends du tissu rouge. Dessine des cœurs. Sors les ciseaux. Coud les moitiés. Ajoute un petit nuage dedans. Prépare des ailes. C'est le cœur de l'amour éternel. Oh, j'ai failli oublier. Pose les alliances sur le coussin. On a tout bien planifié. Amy est très en retard. Où est ma fiancée? T'inquiète pas, c'est toujours pareil avec les mariés. Il est quelle heure maintenant? Oh, je suis là! Où est mon fiancé? Il s'est pas enfui, hein? Amy! Oh. Sonic! Ils étaient enfin réunis. Et maintenant, ils dansaient. Désolée de vous déranger, mais il faut que vous échangiez vos alliances. Et dès qu'ils touchèrent le coussin, il s'envola. Et notre mariage? Je vais l'attraper! Je l'ai! Sonic, pourquoi ils sont si grands? Je sais pas. C'est pas grave, je vais arranger ça. On vous déclare maintenant mari et femme. Peins le récipient en argenté. Remplis une demi-sphère avec de la pâte à modeler. Fixe-la dans le récipient. Ce robot se déplace sur des roues. Ajoute des boutons et quelques détails en plus. Ce robot assistant est super pratique. Sonic et Amy se reposaient après s'être bien amusés à leur mariage. Amy, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Tu viens de te marier? Ouais, regarde ma bague. Waouh, félicitations! Le robot assistant nettoyait la salle. Mais son capteur ne marchait pas toujours correctement. Ces fleurs peuvent rester. Mode nettoyage activé. Objet détecté. Oh non, le robot est cassé. Strass, se débarrasser du strass. Ah, au secours! Il essaie de kidnapper ma femme! C'est bon, je l'ai éteint. Sonic protégera toujours sa femme. On s'ennuie en cours aujourd'hui. Un élève a trouvé du chewing-gum sous son bureau. La Lilou, ça peut être utile? Bien sûr que oui! Enveloppe le premier étage du gâteau. Le deuxième sera rose. Ajoute du glaçage. Décore-le avec des vermicelles en sucre. Ce gâteau de mariage a l'air délicieux! Les invités attendent le gâteau avec impatience. Regarde ce que j'ai apporté! Serre-toi, sois pas timide! Waouh, il est magnifique! Faut que je le prenne en photo! C'est dommage de le manger! Danse avec moi d'abord! Leur cérémonie de mariage s'était très bien déroulée. Bébé, comment t'es arrivé là? Viens dans notre atelier. Fais une nouvelle coupe de cheveux au bébé. Des pointes, comme un hérisson. Mélange la teinte de bleu parfaite. Efface ses traits. Peins-lui un nouveau visage. Il porte une couche orange. On dirait que Sonic et Amy ont eu un bébé. Papa surveillait son bébé hérisson. Chérie, on est de retour! Le bébé pleure. Chut, mon bébé! Viens par ici, mon petit. La sœur réconforta son petit frère. Et le chien s'amusait avec les enfants. Allez, chérie, apprends à marcher. Regardez ce que je sais faire! On va prendre un goûter maintenant. La famille de hérissons était très heureuse. Notre héros est arrivé sur une moto. On va te relooker. Oh, je suis brun maintenant. Découpe des pièces dans du tissu stretch rouge. Il manque quelque chose.
Dr. Eggman porte un col roulé noir avec des détails rouges. Mets-lui des chaussures. Il va pouvoir endosser son rôle de méchant. Sonic a disparu de mon radar. Ma vie a perdu tout son sens. Je vais prendre un petit café réconfortant. C'est inutile. Un pop-it ? Non, c'est absurde. Je vais nager dans ma piscine en mousse. Dernière nouvelle. Quelque chose d'étrange se passe dans la ville. Un individu bleu a été repéré. Il se déplace à la vitesse de l'éclair. C'est Sonic ! Son peignoir a été remplacé par une combinaison de combat. Je t'ai trouvé ! Je vais venir te chercher. Qui se cache dans cette boîte ? Forme un nouveau visage. Fais des mèches pointues en pâte à modeler. Ajoute des yeux. Mini Sonic est prêt pour l'aventure. Yahoo, c'est l'éclate! Et voilà tout à coup un éclair. Hé, t'es qui toi? Les garçons n'arrivent pas à le suivre. Il est tellement rapide! C'est impossible de l'attraper. Oh, il est sur la moto. Bonne chance. Où est parti le hérisson? Coupe un Kinder en deux. Passe une LED rouge dedans. Fais des branches arquées avec des morceaux de plastique. Ajoute des détails pailletés. Sonic pourra pas se cacher. J'ai bien équipé mon atelier pour une bonne raison. Je dois faire un appareil pour traquer ce hérisson ultra rapide. De quoi je pourrais avoir besoin pour ça? On va chercher sur Internet. Le drone est terminé. Bonjour docteur, j'ai été créé pour vous servir. J'attends vos ordres. Trouve Sonic, quoi qu'il en coûte. Allez, vas-y! Individu détecté! Je t'ai trouvé! Je vais te détruire une bonne fois pour toutes! Transforme un morceau de papier mousse rouge en une toute petite visière. On va faire une batte. Ajoute un nom personnalisé. Désormais, Sonic a son propre équipement. Il adore le baseball. Sonic est sur le terrain. Je vais vous montrer ce que c'est que le baseball. Et le hérisson joue tout seul, car personne ne peut suivre une frappe aussi puissante. Je peux jouer qu'avec moi-même. Mais au moins l'adversaire est sympa. Plie une couverture pailletée. Et on a un bloc de papier. Même les objets magiques ont besoin de manuels d'utilisation. Le docteur a commandé le manuel d'un cristal. Dragon Johnny, livraison par portail, bonjour. Tiens ton paquet, c'était rapide, merci. Alors, on est prêt? On va passer au studio. Lumière. Caméra. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un unboxing ensemble. On a quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Je vous présente un manuel de cristal magique. C'est vraiment un objet légendaire. Oh waouh! Où est-ce que t'as trouvé ça? C'est vraiment quelque chose de rare. Lâche ton like et abonne-toi à notre chaîne pour voir nos prochains unboxings. C'est dans la boîte. Ouh, je suis crevée. Sonic a grandi. Maintenant, on va transformer une vieille poupée en un hérisson ultra rapide. Ajoute de la texture avec de la colle chaude. Revoici ce visage si familier. Peint de la fourrure sur tout son corps. On va voir ce que Sony fabrique cette fois-ci.
C'est quoi cet événement? Apparemment, Sonic participe à une course. Ces athlètes sont un peu bizarres. C'est une course? Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Sonic réussit à manger sa glace tout en courant. Et même à taper la dispute avec les autres. Le hérisson n'a même pas remarqué le nombre de tours qu'il a fait. Yahoo! Sonic a remporté le premier prix. Ça, c'est un jogger talentueux. Hé, super! Les autres participants sont vraiment loin d'avoir les mêmes résultats. Un vieux skate est arrivé à l'atelier de Lalilo. Le skate est maintenant décoré d'un nouveau logo Sonic. Waouh! Et c'est quoi ces turbines? Wow, c'est impossible de suivre ce skate, ça c'est sûr! Les enfants font des figures au skatepark. Hey, vous êtes prêts à voir mon nouveau super skateboard? Bah, qu'est-ce qu'il a de si cool? Vous allez voir, voilà mon skate! Bah, il est pas spécial! Mais les gars changèrent vite d'avis. Wow, mais c'est dingue! Le skateboard planait même dans les airs en mode turbo. On peut faire un tour, s'il te plaît? Bah ouais, carrément. C'est plus marrant à plusieurs. On va faire un tapis de course avec des bâtons. Installe un ruban de papier mousse sur les rails. Plie du fil de fer pour faire une poignée. Décore le tapis de course avec un autocollant Sonic. C'est le moment de battre des records! Sonic n'a pas perdu son pouvoir après être devenu humain. Dis-moi, qu'est-ce qui pourrait m'épuiser à fond? Essaie cette barre. C'est plutôt dur pour les débutants. C'est vachement trop simple! Oh la vache! Bon bah, dans ce cas, le dernier modèle de ce tapis de course devrait marcher. Intéressant. Sonic monta sur le tapis de course et le régla à la vitesse maximale. Oh là là, c'est ça qu'il me faut! Comment il fait ça? C'était trop cool! Tu dois transpirer. Une serviette? Oh, oublie ça. T'en as plus besoin que moi. Hihi, tant pis. Je vais prendre ce tapis de course avec moi, d'accord? Fais un délicieux hot dog en pâte à modeler. Pose une saucisse dessus. Enduis le sandwich de vernis acrylique. Qui d'autre a faim? N'hésitez pas à approcher pour acheter des snacks délicieux. Je dirais pas non pour manger un bout. Il a l'air trop bon ce hot dog. Je le prends. Ah, enfin, je peux déguster un bon repas. Et personne ne viendra me déranger. Oh, mais c'est encore toi! Ramène-moi mon repas, espèce d'idiot! Merci pour le hot dog. C'était super bon. Rétrécis un bloc de polystyrène. Et découpe-le en forme de mini-manette. Assemble des rebords en papier mousse pailleté et un support arrondi. Ajoute le fameux logo iconique dans le coin. On passe des niveaux? Le hibou est un gamer de haut niveau. Arrête de jouer, maintenant c'est à mon tour! Piou piou! Au moins, je battrai Sonic dans le jeu. Tout à coup, quelqu'un tapa sur l'épaule du docteur. Qui est là? Hibou, c'était qui? T'as vu quelque chose? Y'a personne. Mais qu'est-ce que c'était? Tu peux continuer à jouer. Il faut surveiller Robotnik de très près. Bonjour bébé. Transforme cette poupée en mini rose. Colore cette masse pour le modelage. Façonne des aiguilles. Amy a un nez bien dessiné et un beau sourire. Ajoute des pattes blanches. Bébé Amy est tout simplement adorable.
La mère et la fille sont allées se promener au parc. Amuse-toi bien, j'arrive dans une seconde. Waouh, ce magasin est fait pour moi. Oups, j'ai tout cassé. C'est gênant. C'est bien que ces outils soient toujours avec moi. Trop sombre. Celui-là est mieux. Mais plus de rose. Ah, parfait. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais cette nouvelle boutique est incroyable. T'as du talent, bébé. Voilà une glace. Merci, maman. Enlève le reste du slime. Essuie le reste. Peins-le en blanc. Tu auras besoin d'une boîte de bonbons en gélatine. Laisse un fond. Enveloppe la cuvette des toilettes avec du papier mousse. Tellement de petites choses mignonnes. Des pompons. Un cure-pipe. Ajoute des ailes. Voici les flamants roses. Ce sera un bon exemple pour le petit. Chérie, c'est l'heure du goûter. Une cuillère pour maman. Et si on allait faire un tour? On a besoin de toi pour t'habituer au pot. Non, je veux jouer. Ah, c'est une boîte. Je vais y cacher mes jouets. Mais non, bébé, ce n'est pas pour tes jouets. Comment je peux t'expliquer? Je sais. Les flamants roses vont t'apprendre. D'abord, il faut bien le nourrir. Du lait et un dessert. Waouh! Maintenant, c'est ton tour. On l'a fait! Un bébé se cache dans des anneaux dorés. Essuie le vieux maquillage. Dessine des yeux verts. Livraison de matériaux! Pétris la masse. Les stylistes ont fait un excellent travail. Ajoute des oreilles. Roule un léger boudin d'argile. Voici une petite fille stylée. Des bottes rouges complètent le look. Des bracelets teintent sur ses poignets. Amy vient de vieillir. Ma bijouterie va certainement impressionner tout le monde. Une bague, $1. Où sont mes clients? Hurrah, mes premiers clients. Bienvenue. Waouh, cool ces bagues, on prend tout. Merci pour ton achat. Oh, qu'est-ce que c'est? Bonjour, on a entendu parler de vos bagues. On pourrait en acheter? Oh non, tout est vendu. Mais attends, je vais en refaire. Sonic, aide-moi. J'ai besoin de prendre plus de bijoux. Pas de problème, on court. Tout pour nos invités. Thank you. Super service. Sonic, regarde cet argent. Découpe une paire de chats mignons. Ajoute du polystyrène. Belles ces nuances. La pièce pour le dos est décorée avec du papier mousse. Des étagères sont fixées entre les chats. Ce support mignon va décorer notre chambre. Chérie, je t'ai apporté une friandise. Oh là là, quel désordre! Nettoie ta chambre d'abord. Ensuite, tu auras une friandise. Pas de friandise tant que tu n'auras pas nettoyé cette pièce, jeune fille. Oh, je vais être rapide comme l'éclair. Mode turbo activé. Maman, j'ai fini. Bon travail. Prends ta récompense. Thank you. Le reste est sur la table. Hé, c'est trop haut. Regarde-moi. Je vais mettre un oreiller en bas. Oh, je suis toujours trop basse. Réfléchis, Amy, réfléchis.
Oh, j'ai une idée. Je vais transformer ces étagères en échelles. Good job. Mes macarons miam. Yummy. Je suis une gourmande, qu'est-ce que je peux y faire? C'est à ton tour d'être Amy. Avec plaisir. Prends un siège. Change ses cheveux. Essuie le vieux maquillage. Peins la peau. Hello. Nos stylistes vont travailler sur la tenue. Magnifique robe. Ses poignets sont ornés de bracelets. Waouh, cool ces robots. Amy est une adolescente adorable maintenant. Aujourd'hui, on étudie un nouveau sujet. Écoutez bien, je vais vous expliquer des formules complexes. Amy rêvasse. Je suis à une fête rock, mon groupe préféré. Nous invitons notre plus grande fan sur scène. On va enflammer cette foule. Gloire à nous! Amy, réveille-toi! T'es avec nous, petite rêveuse? Oh oui, mademoiselle Smith, désolée. Ce chien a apporté des matériaux pour faire un nouveau bricolage. Fabrique une horloge avec un bouton. L'horloge tient parfaitement sur sa main. En plus, ils sont remontés dans le temps. Amy est rentrée chez elle avec une mauvaise note. Faut vite que j'aille me cacher dans ma chambre. Ok, je peux scroller sur les réseaux sociaux maintenant. Maman ne saura rien de tout ça. Chérie, comment ça va? Ouah, une mauvaise note? Oh my gosh! Oups, on remonte dans le temps. Notre Amy du passé étudie beaucoup. Waouh, j'ai eu un A+. T'es si intelligente, je suis fière de toi. Bonjour. T'es une Amy adulte. Prépare un modèle. Souligne sa taille avec une ceinture. Ses bracelets en or sont en place. Ajoute des rayures et des perles. Notre beauté Amy Rose est une adulte maintenant. Notre héroïne a trouvé un emploi de dresseuse de chiens. Hey, les amis, venez me voir! Mettez-vous en ligne. Aujourd'hui, on va apprendre à passer une barrière avec des obstacles. On commence. Hurrah! Le corgi l'a fait. Bien joué! Maintenant, les bulldogs. Oups, ça n'a pas marché. Je vais t'aider, mon pote. Monte sur mon dos. Wow, c'est trop haut, c'est un record! Et maintenant, attrapez les anneaux. On adore les anneaux! Bon travail, tout le monde! Je suis fière de vous! Prends une boîte en plastique et des roues. Choisis un diamètre. Peins ce marteau en rouge. Choisis un cordon. Le marteau de Pico Pico est le fidèle assistant d'Amy pour ses tâches ménagères. J'adore les soldes. J'ai acheté un magnifique tableau dans une galerie. Je le mets où? Pas ici. Ça va pas. Un mur vide? C'est ici qu'il doit être accroché. Marteau, au travail! Oups, j'ai un peu exagéré. Bonjour! J'ai tellement de chance avec mes voisins, n'est-ce pas? C'est le vôtre? Désolée, mon marteau est tombé. Passez une bonne journée. Magnifique. Tors la feuille. La Lilou, au secours! Ce style rayé est trop KFC. Décore le seau avec un logo. Il est temps de commencer à cuisiner. De bons nuggets appétissants. Miam, délicieux.
un seau plein de fast-food. Bonjour à tous, c'est la journée de la nourriture. Robin, ah c'est bon de te voir. On va manger un morceau ? Qui va recevoir ce repas ? Voici le premier participant. J'adore le pop-corn. Et qu'en est-il de cette charmante blonde ? Bonjour, je m'appelle Christina. Assieds-toi, s'il te plaît. J'adore les ailes de poulet. Ok, on commence. Celui qui finit sa portion en premier a gagné. Bonne chance ! Hey, il reste du poulet ? J'ai faim ! Phénoménal ! On a un gagnant ! C'est bon, son seau est vide. Bravo ! Un tel appétit mérite une récompense. Je suis payée pour manger de délicieuses friandises. C'est la compétition de mes rêves.